Qu'est-ce qu'on mange? Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Toi? Je peux pas manger. Exact. Tant que toi t'as pas faim. Comme les youtubeurs. On pue, alors, en gros plan. Tu penses que je dois mettre la table aussi ou c'est comment? Bah, bien évidemment. Il y a un dessert. Un mini dessert. Tu sais que j'aime pas les chocobons. Il était prêt, ça fait deux jours qu'il est prêt. T'as envie d'un chocolat? Je commence. Oh! De quoi tu me parles? Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme toutes les vidéos sur ma chaîne, j'ai l'impression, je commence cette vidéo démaquillée et au réveil, mais vraiment, je viens juste de me réveiller. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, vu que je serai en compagnie de Jérémy, vous me l'avez tellement demandé. Aujourd'hui, c'est le combo. Vous aimez trop les vidéos 24h et vous avez trop envie que je fume avec Jérémy, donc du coup, je fais les deux. Aujourd'hui, je vais manger exactement tout pareil comme Jérémy pendant toute la journée, pendant 24h. Et je ne sais absolument pas ce qu'il va me concocter, donc on va voir ça, j'ai hâte de voir, il est dans la douche, je l'attends. Il me demande vraiment ce qu'il va me faire pour ce matin, j'ai ma petite idée. Mais pour le reste de la journée, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que vous foutez là, les deux? Là et là. Mais me regardez pas comme ça. Bon par contre là j'ai faim, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Wow. J'ai trop faim. J'ai faim. Bon, c'est bien les chats mais moi j'ai faim. Faut deux bols. Qu'est-ce qu'on mange? Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Toi. Préparation culinaire de haute volée. De quoi? De haute volée. Haute volée. Wow, tu sais pas parler français. Je participe pas. En vrai, aujourd'hui c'est toi qui vas faire à manger du matin au soir. Comme tous les jours. Non, totalement fou. Comme tous les jours, toute l'année. T'es un malade, c'est plus moi qui vais manger que toi. Pardon, pardon ma grosse. Donc tu commences par un petit yaourt. Mm-hmm. Donc il y a un œuf. Tu nous mets une mixture là. T'inquiète, ça date. Ensuite on met la levure. Les mesures c'est un peu à l'arrache. Faut pas l'oublier parce que sinon c'est un peu moche. Donc après, du son d'avoine et pas du flocon d'avoine. Flocon d'avoine c'est mort. En fait, je l'ai fait plus du tout avec les mesures depuis longtemps. Après, tu vois si c'est trop liquide, bah, formé quoi. On va mettre une demi-banane. Mmh. Demi-banane, tu mélanges. Ouais. Pour que ça soit homogène. Et après, tu mets du chocolat. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est meilleur. Ok. Et tu t'en fiches de le mélanger parce qu'en fait, après ça... ça fond et. Ouais, pour l'instant, ça a l'air ignoble. Ouais, t'inquiète. Hop, tu mets le micro-ondes. Plus le bol est épais, plus c'est long. Okay. Donc là, il est pas trop épais, donc je pense que ça devrait aller. Normalement, c'est 2 minutes 30. Un gâteau du matin. Exactement. Un bowl cake. Un bowl cake. Un bowl cake. Un bowl cake. Mais en gros, c'est genre sain, mais bon quoi. C'est sain, bourratif, et genre ça tient bien encore aussi. Voilà. Mmh. Tu mets l'assiette par-dessus. Tu prends ton bol avec ton petit. Tu retournes. Oh, incroyable. Ah, c'est vraiment un gâteau. Ouais. Mais c'est dingue. C'est... Je vais poser ça sur la table. Dépêche-toi de faire le tien parce que là, je vais le dévorer. J'ai soif, est-ce que je suis bois le matin? Ah ouais, donc j'ai oublié. Je voulais une tisane. Oh, du coup tu veux bien me faire une tisane? Ouais, mais on a pas besoin, donc ça me prend. Est-ce que tu bois de l'eau? Non, c'est des tisanes. Putain, je dois faire tout comme toi. Toi tu bois pas de café, moi non plus. Et du thé non plus. En vrai, c'est vrai qu'on boit tout le temps des tisanes. C'est la tisane, les gens ils. Ouais, c'est vrai que tout le monde. Nous, c'est des gens, parfois on est fatigués, mais on boit jamais. Ouais. Les gens ils boivent de la Red Bull. Du Red Bull. Mais c'est un truc de ouf. Pourquoi tu dis la Red Bull? Vous dites de la Red Bull ou du Red Bull? Tu vas voir que ça va être un vrai bail parce que tout le monde dit de la Red Bull. Mais non, mais moi je dis du Red Bull depuis la nuit des temps. Mais non, c'est pas de la Red Bull, mais t'es malade. Moi, c'est que j'ai jamais entendu quelqu'un dire de la Red Bull. Je sais que j'ai raison. Tu vas avoir le seum en commentaire. J'ai soif. Putain, c'est long. Mais attends, du coup, toute la journée, genre si j'ai faim, ouais. Je peux pas manger. Exact. Tant que toi t'as pas faim. Exact, mais vu que j'ai tout le temps faim, ah. Tu vas grossir. Allez, ouais, j'ai faim. Ouais, ouais, détends-toi, pas fou. On dirait les chaînes de. On dirait les chaînes de cours de maison. Ouais, c'est vrai. Imagine, c'est pas du tout. Si, 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 ça m'a l'air bon. Mmh. T'as vu? Plein de chocolat. Ouais, tu manges, je te promets, c'est grave bon. Ça a trop bon parce que c'est un gâteau. Ok, let's go! Ok, let's go! Tout le monde trouve ça trop trop bon et je comprends pas comment tu peux trouver ça pas bon. Une fois, on l'a fait goûter à Lorraine et elle a dit, mais c'est dégueulasse. Ouais, c'est grave bon parce que c'est un gâteau sucré, mais c'est un gâteau sucré ça. Genre, ça a le goût de yaourt. Du coup, tiens, pour moi, c'est une différence. C'est grave bon. On sent grave la banane, donc c'est grave bon. Mmh. Et le chocolat, mais c'est genre un gâteau au son d'avoine quoi, on l'oublie pas. Pour l'instant ça va, je valide. Comment c'est trop bon, je suis choquée. Et ouais, en fait c'est nul comme challenge parce que je suis un esclave pendant la caméra. Je vais faire à manger, je vais devoir acheter tout. Ouais, ça fera pas le focus. Ah ouais, comme les youtubeurs, pas plus loin.
Mon porc. Bon, j'ai hâte de voir ce que tu vas me concocter pour... Je te parle. Ouais. Pour déjeuner. Ta surprise. Tu vas aller faire des courses? Mais pour moi, ta surprise. Je sais toujours pas. Je sais pas trop. Il y a des gens qui doivent pas savoir qu'on vit pas ensemble quand même. Parce que sinon c'est bizarre. Quand t'es en couple, en général, tu manges globalement la même chose que l'autre. Pas nous, vu qu'on vit pas ensemble, on est juste en vacances. Et j'ai déjà faim. Mais surtout que t'es heureuse. Non mais genre, j'en ai l'eau à la bouche. Surtout qu'il y a plein d'aliments que tu prends la tête tout le temps. Ah bon? Oh oui. Tu me dis ça aux là, genre le quinoa pendant 2 ans. Le quinoa ça peut revenir pendant 2 ans et après tu fais des grandes salades de quinoa. Moi mais j'avais un blocage. Ouais, mais là il y a plein de blocages, je vais tous les débloquer en une journée. Fais tout ce que tu veux, mais pas de mayonnaise. Ah ouais, mais normal. J'aime pas la mayonnaise. La mayonnaise, je te vomis dessus instantanément. Comme là. J'en ai l'eau, ok. Heureusement que j'ai pas un monteur. D'ailleurs, si tu prends un monteur, c'est une monteuse. Pourquoi? Flemme. Tu fais du lifestyle et tout, il y a plein de trucs, genre tu te changes, tu fais du sport et tout. Mais bon, quand t'as un monteur, tu te changes pas devant la cam. En gros plan. Je préfère que ce soit une fille qui regarde ça plutôt qu'un mec bizarre là. Eh, hey, on dit pas ça à la caméra. Tu peux pas le répondre. Covidé. Covidé, Davidé. Gilet jaune. Gilet jaune. On se retrouve pour le déjeuner. Allez, salut. C'est l'heure de déjeuner. Je suis trop contente parce que j'ai faim. Jérémy est allé faire des courses. Je sais pas ce qu'on mange, mais j'ai hâte de savoir parce que vraiment je crève la dalle. Mais en vrai, le petit déj de ce matin était grave bourratif parce que là, il est quelle heure? 14h10. Donc on a bien tenu. Et je me suis habillée. Je me suis habillée, j'ai mis une petite combi et je me suis maquillée. C'est vrai? Moi j'aime bien, mais. Je sais pas si j'aime bien. J'aime trop les aliments, je sais pas si ça va. Les aliments, je sais pas si ça va le faire. Qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi ce truc? C'est un rêve de brosse. Ah, incroyable. Ouah! Ensuite, on va manger une salade. Ouais. J'ai pas très faim. Avec de la mozza. Dommage, je crève la dalle. Des asperges. Ouais. Que tu n'aimes pas trop. Moi j'aime trop. Et basilic. Trop bon. Et toujours dans la salade, des fraises. Dans la salade? Ouais, fraises asperges. Fraises asperges. Non, je rigole pas. Et c'est bon ça? C'est un bête mélange, ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça a l'air trop bonne. Moi, c'est pas que j'aime pas les asperges. Enfin, si en fait. En fait, c'est pas que j'aime pas. C'est que je suis pas très très fan, j'avoue. Dommage, c'est 50% de ça. Ok, est-ce que en attendant que tu cuisines tout, je peux manger du pain? Ouais, mais t'es gaffe. Tu comprends? J'ai trop faim. Mais ça crame là, non? Non, c'est bien, c'est grillé. T'aimes pas? J'en sais rien, j'aime pas les asperges. Bah, non, c'est bon les asperges là quand c'est grillé. J'ai peu confiance dans les asperges. Pourquoi? Parce qu'elles étaient congelées. C'est pas ouf. Tu me fais peur. Ça a l'air super. Quel cuistot! En fait, c'est une salade de fraises. L'asperge. Toi l'asperge. C'est toi l'asperge! Bon, attends, un peu les deux. Mais là, fais pas la galère, c'est du vomi là. Tu penses que je dois mettre la table aussi ou c'est comment? Bah, bien évidemment. Non, parce que. Attends, t'es en train de faire quoi là? Non, mais Jérémy. Je te promets, c'est trop bon. Les plus grands chefs ont cette recette. Alors, ouais. Tu penses qu'ils les prennent comme ça les asperges? Non, j'avoue, mais bon, là, regarde, elle fait un peu la gueule. J'ai hâte de voir avec la burrata. Dans ma tête, c'était beaucoup plus joli que ça. Normalement, on ne relève pas les secrets du chef. C'est meilleur. Oh là là, cet artiste. J'avoue, huile d'olive fraise, c'est un délire. Bon, voilà comment ça se présente. En vrai, c'est mignon, hein. Ouais, il y a trop de fraises, je pense. On va voir. Attends, c'est moi qui goûte d'abord. Il est trop bien, parce que tu trouves ça dégueulasse. Attends, il y a rien. Genre, c'est super bizarre. En fait, tu manges juste des asperges, des fraises et de la mozza. Genre, il n'y a pas un truc. Ah ouais? Non. Normalement, il est censé y avoir un truc. Bah, il n'y a pas de truc, hein. La mozza, elle prend tellement de goût. Ouais, la mozza, elle prend trop de goût. T'es d'accord avec ce que je dis? Ouais. Ça n'a pas de sens. Bah, faut manger. C'est pareil quoi. C'est pareil, bah, on fait un truc à dessert. Ouais. Et genre la fraise dans le vinaigre, j'avoue que c'est chaud. Ah ouais? Oh non, mon bébé, il est trop mignon. Non! C'est frais de ouf par contre. Ouais. Fait du bien, genre. Il y a un dessert? Un mini dessert. Ok. Ah, j'aurais pu. J'ai acheté le dessert. Ok. Du coup, j'ai goûté les chocobons, voir s'ils ont un goût différent. Tu sais que j'aime pas les chocobons. Ah bon? C'était pas sûr. J'étais pas sûr. T'aimes pas les chocobons? T'as fait exprès. Non, franchement, je te promets, j'avais trop envie de goûter les chocobons. T'as une tête de menteur. Mais c'est pas possible de pas aimer les chocobons. Je te promets, même aussi, avant, je disais, j'aime pas les chocobons, mais c'est. Non, mais en fait, je trouve ça. Je trouve pas ça pas bon, tu vois. Mais en fait, je trouve que c'est. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que par exemple, tu vois, ceux qui se gavent de chocobons, bah, je les comprends pas. Tu peux te gaver de Kinder Bueno, tu peux te gaver de chips, mais de chocobons, genre, je comprends pas. Je fume comme ça.
Genre je trouve pas ça dégueu, mais comme je te dis, genre je comprends pas qu'on puisse se gaver de ça parce qu'il y a largement meilleur. Choco bueno. Mais qu'est-ce que t'as? Tu vas pas manger des chocobons toi ici? Concentré sur son chocobon. Oh 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 oh. Quoi? Chocobon in the pool. Oh oh, il va rentrer dans le truc. J'ai hâte d'être au goûter. Je sais pas si on va prendre vraiment goûter, hein. Tu vas goûter? Non mais je veux un truc sucré. Et au dîner. Allez salut. A few moments later. Les gars, Jérémy il vient de m'annoncer une nouvelle, on va manger des glaces. On va à notre endroit préféré. C'est vraiment des glaces trop bonnes. Moi ma glace préférée c'est la peanut. Elle est trop bonne. Par contre je sais pas si je prends un cornet ou pas. C'était bon cornet? C'était trop bon mais je dois prendre comme toi donc Tu vois même pas ce que tu filmes cette vidéo. Dépêchez. Tous les jours ils nous voient ici à prendre la même glace, à venir à la fermeture à chaque fois, de le détester. On est vraiment des gens du dernier moment. Comment tu dis cornet en anglais? Cornetto. Moi je fais comme ça. 10. Cornet. Quoi? Ils sont moches. On dirait pas Justin. Dites-moi. On dirait pas genre Justin Bieber quand il fait ça. Et il y a des chats partout. Oh, oh non. Peanuts and pistachio. Regardez juste les glaces et en tout 5 euros. Peanuts, c'est genre sneakers. Je sais pas comment c'est possible, c'est sneakers. Je déteste les glaces, c'est cool, ça me donne envie de péter un câble. Merci pour ce choix, je valide. Non vraiment on compte. Toi tu veux? Bon, je me mange pas. Genre, j'ai l'impression que je suis la seule du monde. Ça me dégoûte trop les gens avec leur bouche sur les glaces comme ça. Vite. J'en ai même plus. J'ai une question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh, je crois que tu te rends pas compte à quel point on se gonfle. On a mangé un bol cake le matin. Non. Une salade à fraises ce midi, puis du chocobon, puis une nanon de glace. Et maintenant tu m'as lui dîner direct là. J'en dissipe. Je poste mon reel. J'ai pas mis la couverture. Il était prêt, ça fait deux jours qu'il est prêt. Tu veux que je fasse un outro, non? Oui, mais ce soir. Non, mais un outro direction dîner. Direction dîner. Wouh. Des oranges. Il vient de m'annoncer qu'il n'avait pas envie de cuisiner. Et donc, il veut aller chercher quelque chose à emporter. Mais il ne me dit pas quoi. Bah ouais, parce que le couvre-feu, c'est dans 1h10. Quoi? Bah oui, tu peux y aller. Donc, j'attends de voir ce que c'est. Et j'avoue qu'en fait, j'ai pas faim, mais en fait, j'ai faim. Regardez ce qu'on a acheté au magasin. Je suis désolée, c'est orange, mais j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai trouvé ça. À toutes. Quand j'étais petite, mon père m'en achetait. En vrai, on est en Italie, donc à part des pâtes et des pizzas, je vois pas ce qu'il peut me ramener. A few moments later. Il vient de m'envoyer un message, il m'a dit get ready. Dans une minute, il arrive. Ah, ah, c'est des pizzas. Je vois déjà que c'est des pizzas. Quoi? La pizza a coulé partout dans la voiture. Mais non. On va les découvrir ensemble. Ah ok. What? Elles sont grave bonnes. Celle-là a coulé. Mais c'est quoi cette merde? Il a pas de comprendre. Celle-là, elle a l'air mille fois mieux. Tu savais combien ça coûte? Ah ouais, cher? 11 balles pour les deux pizzas. Celle-là, elle coûte 4 euros. Tu te fous de ma gueule? Celle-là, elle coûte 4 euros. Mais non. Franchement, c'est bon, c'est spécial, c'est bon. Ça n'a pas de goût. J'ai un panini. De ouf. C'est un panini mozza. Ah, attends, je crois que je sais pourquoi on est jaune. T'es prêt pour voir la différence? Ouais. Wouah, mais ouais, on est jeté en daylight. Oupsie. C'est toi qui m'as mis daylight sur la caméra. Tant que bon, on va goûter l'autre. On va voir le scène dans le violon. Ou pas? On juge peut-être un livre à sa couverture. C'est un mukbang. Un mukbang. Mukbang. T'as vraiment trop de pige. Est-ce qu'on leur dit ou pas qu'on a la phobie des vraies bouches et qu'à cause des droits d'auteur, on peut rien garder, rien mettre comme musique. Donc là, c'est dur pour nous. Viens, on va chercher un cheesecake au burger. Pourquoi? Parce que on refait dans 2 minutes. Mais là, c'est à 2 minutes. T'as envie d'un cheesecake là? J'ai hachement un cheesecake. Non, non, je suis désolé, mais là, je te suis pas dans ton mère. Trop pour moi. Non, c'est mort. C'est mange comme mon mec, c'est pas genre. J'ai des caprices à mon mec. Voilà, ce que je veux manger. Je commence. Oh! Hé! Hey, tu casses mon burger! Il est horrible à manger. Trop bon, mais là, ça va m'atomiser la gueule. Mais c'est trop bon. J'ai envie de vous faire écouter ma jogging lag. Comment tu fais? Ah, mais bon? Ouais. C'est à moi quand je le fais, t'es debout. Comme ça. Non, tu fais tout le temps ça. Non mais de quoi tu me parles? Tu t'en rends même pas compte. Mais de quoi tu me parles? Sur tes putains de vidéos, t'es tout le temps comme ça. Tu t'en rends vraiment pas compte en fait. De quoi tu me parles? Vas-y, monte ton téléphone, on met une vidéo. J'avoue, truc de ouf. Tout le temps, 4 fois, 4, 10 fois. J'ai plus de batterie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura.
sera plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Ça va s'afficher sur Jérémy. 1, 2, 3. Je poste tous les jours et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.